à tous et bienvenue sur la What It TV. Aujourd'hui, nous sommes en banlieue parisienne et notre objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller recueillir toutes les impressions des spectateurs concernant la sortie du film en avant-première du film La Pièce. Déjà un mot pour le film, génial. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Ça, tu me gères. Ouais, c'est ouais, il était trop bien. L'acteur, ouais, famille, super. En fait, c'est un super, super beau film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Viens le voir, c'est un jury le film. Non, c'était un bon film. Il est trop bien. Franchement, c'est émouvant. Bonne impression, bon film. En fait, ça me rebooste, ça me donne envie de faire. C'est bien parce que ça nous donne une bonne image de, bah, des jeunes qui grandissent en cité, etc. Et c'est bien, une bonne morale à la fin. Moi vraiment, j'ai aimé de ouf. Pour la Wattie TV, un petit mot. Très bien, sympathique. Trop bien. Vraiment très très bien. L'histoire est vraiment parfaite. Il était marrant, c'était touchant aussi à certains moments. C'était une bonne petite leçon et voilà, j'espère que les gens y vont cogiter. Un bon message de vie, effectivement, par rapport à la violence qui se passe dans les quartiers et surtout ce qui se passe en ce moment. Il est d'art. Ouais, bon, c'est un peu la morale de l'histoire à la fin qui est plutôt pas mal. Donc. Trop bien. Et avoir la pièce. C'est une moralité, il y a un truc. Est-ce que vous conseillerez à tout le monde d'aller le voir? À tout le monde. Même votre maman? Même ma maman. Ah, le film, il est lourd, hein. Je vous conseille d'aller le voir. Rendez-vous le 12 octobre dans toutes les salles de cinéma. C'est du très 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 lourd. Big up au Wachibé, big up à Dawala, c'est la famille. Le film La Pièce est le tout premier film français distribué par Sony Pictures. Alors rendez-vous le 12 octobre dans toutes les salles de cinéma en France. On vous attend. Chaque jour a son lot de coups bas, mais je les encaisse dans la dignité. Moi gagner, je connais pas. Non, mais perdre des potes, je connais ça. Entre le bonheur et